Salut YouTube. Hop, une petite tomate. Un petit Schweppes. On est reparti. Et là... les sélacantes. On va en faire qu'une bouchée. On va les arracher. Ils vont pas comprendre ce qui leur arrive. Moi je vous le dis. Hop. Bon, c'est vrai que le pilote automatique c'est quand même pratique. Il est vrai. Ces petites tomates là. Allumage des rétro, des fusées dans le rétro. T'as mon chaton? Tu veux une tomate? J'aime bien la tête qu'a fait. Oh. Comment ça, des fruits et légumes? Oh, quelle horreur. Bon. On y va, on y croit. Allez, on va commencer avec le truc rouge. Putain, direct quoi. Direct, hein. Premier truc, Léviat direct quoi. C'est la compte, direct. Désolé, ça y est, je commence à tout confondre. Et là, je m'éjecte. Ou là, sans faire gaffe, j'appuie sur un bouton de ma manette. Imaginez. Imaginez, le mec est assez con pour faire ça. Tout à l'heure il m'a entendu en fait. Tout à l'heure c'est dès que j'ai remis un peu de gaz, il m'a entendu direct quoi. Non, on a quand même moyen de... C'est un peu vénère quand même. Hein. Non! Oh, il était juste dans mon cul. Hein. Ah putain, j'ai tellement flippé. Ah, je l'ai entendu dans mon cul. Oh la flip. Pff. Putain. C'est bien, je peux faire le tour dans mon vaisseau. Non, pas ça. Le vaisseau. Attends, distorsion du vaisseau se brisa sur le vaisseau, s'écrasa sur son bronze. Il y a reverse système par distorsion, signal vaisseau. Hein. Ok. Ça, c'est ok. Survivants de la capsule. Les survivants décidèrent de suivre la plus proche des deux balises du vaisseau.
en raison de la quantité d'oxygène limitée dont ils disposaient. Ils avaient l'intention de laisser des lumières derrière eux dans l'éventualité où quelqu'un aurait entendu leur signal de détresse. Détectèrent deux balises distinctes provenant du vaisseau, comme s'ils se trouvaient à deux endroits à la fois. C'est peut-être un indice, hein. Qu'est-ce que je fais? Oui, c'était marqué... Ah, ça c'est la capsule de sauvetage, je pourrais y retourner si je voulais, quoi, mais... j'ai pas envie d'y retourner. Ça avance toujours ou pas, là? Oui, ça avance encore. Ça avance encore, mais les autres derrière, là, ils sont vénères, donc ça y est, regardez. On revoit les bouboules. Il y a les bouboules rouges, là. Et après, faut que je voile aussi quand le signal est double, en fait, c'est ça? En fait, c'est peut-être ça, il faut que je balance ma sonde, et quand le signal est double, mais pas triple ou pas simple, c'est là où je dois aller. Je suis en train de faire des supputages, hein, mais en même temps, ce jeu n'est que supputage, donc... Ils m'entendent encore ou pas derrière? Genre là, si je mets un petit coup de gaz, là... Bon, admettons. Merde, forcément. Merci. Là, je l'ai en 3 fois. Il est devant, il est derrière, et il s'éloigne. 1 km. C'est a priori pas là. Là, c'est un sélacante. Bravo, mon gars. T'as réussi à m'y faire croire. Ensuite, je fais ça. Je suis là. Et là. Et là, signal en double. Il n'est pas en 3, il est en 2. En 2. Donc on va tenter celui-là. Non. Ah non, je l'ai en 3 là. Il se fait absorber direct là. Pourquoi il se fait absorber direct? Oh, c'est celui où je me suis fait baiser tout à l'heure, ou ça c'est la cante en bas et Bah ouais, il me repasse au-dessus, oh merde. Je me suis fait baiser. Chose là-bas ou c'est la cante?
Est-ce que si je passe par un autre endroit, c'est autre chose? Le connard, il m'a vu. Mais arrête de te coller partout là. Faire sortir de la planète. Avarpal, toujours là? Attendez. Attendez. Ils ont décidé de choisir le plus proche. Putain, c'est peut-être ça en fait. Regardez là mon guetteur. Voilà, il y a rien. Et sinon, ça serait en haut. Pourquoi là, il y avait rien? Il y a pas de signal, il y a pas de... Là, j'avais 3 points dans l'espace. Il part en double lui. Enfin, il est pas en double mais c'est un full sélacante là. Nul. Allez, on ressort. Et j'y retourne. Alors attendez.
Est-ce que c'est pas ça qu'il faudrait faire? Aller au point rouge, mettre un guetteur sur le... Ouais. J'ai peut-être un truc là. Je vais aller au point rouge. Oh mais je vais lui foncer dans la tête. Il va pas aimer. Recule! Ah ils peuvent passer. Ils peuvent passer. Je vais essayer ça. Je vais essayer de mettre ma balise là sur le truc rouge. Et derrière, je vais essayer de trouver là où je vais. En fonction de ça. Une fois que j'arrive à passer le premier, c'est la cante. Ah bah oui, bah t'es mort, ouais mec, hein, ouais, non. Oh là. Quel enfer. ...1h40 là-dessus. Hein. déconnons pas. On va passer la soirée là-dessus. On va bien s'amuser. Non, y'a le soleil, y'a le soleil, déconne pas. Je vais crever. Non, c'est bon. Pardon. Salut Chrisou. Ça va et toi? Alors, mais jamais qui je suis en ce moment même et qui te passe le coucou. Là, je vois pas, non. Et quitter? Non. Non, bah, je devinerai pas, en fait. Eh, me fais pas deviner des trucs, là, déjà, dans le jeu, je dois deviner des machins, si en plus... Avec Pimi, c'est vrai? Mais tu la connais? Coucou, Pimi! J'espère que ça s'est bien passé à Lille, cette semaine. Ah, mais c'est rigolo! Ça fait longtemps que j'ai pas pris de nouvelles d'ailleurs. Et je m'en excuse. C'est Nami, RL ? Ok. Ah bah tu vois, je ne savais pas. C'est rigolo, le monde est petit. En même temps, Pimi, elle connaît tout le monde. Hein. Bah c'est cool que vous voyez. Est-ce que... Est-ce que Pimi a follow ma chaîne ? Non, elle me connaît pas, moi. Ah oui, peut-être qu'il y a peut-être 2-3 personnes qu'elle connaît pas. Bon, ça arrive. On est sur Outer Wilds, on se fait chier. On se fait chier parce qu'il faut pas faire de bruit. Donc faut y aller doucement là. C'est un peu relou.
Merci beaucoup Pimi pour ton follow. Alors ça, je m'y attendais pas. Non, ça me fait plaisir. Ben, j'espère que vous passez un bon moment tous les deux. J'en ai plein le cul de ce jeu de merde. Putain. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Il te grille direct. Merde quoi. J'en ai plein le cul des sélacantes. Je vous jure, j'en ai plein le cul. Mais je vais y arriver. En vrai, je suis mauvais ou tout le monde se fait baiser comme ça Les gens qui ont joué au jeu là, y a que moi qui me fait avoir comme ça ou c'est un peu le but de cette partie. De se faire pécho en boucle. En fait j'étais meilleur au début en fait. Là j'ai l'impression que je prends la confiance. Je prends la confiance et c'est pas bon finalement. Alors, et mon chat, ça va? Décalé. C'est en train de se décaler. Ça va être la merde. 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 Attendez, j'essaie de l'éviter. J'essaie de l'éviter. On lui est passé juste à côté à ce con. Par contre, je sais pas comment je vais faire ici parce que... C'est par derrière. Est-ce qu'il va m'entendre? Dès que je vais mettre un peu de gaz, il va m'entendre direct. Y'a de la musique là. Quand on se rapproche de ce truc là, on entend de la musique. Ah oui, tu m'as pas dit au fait. Ça dépend. Je m'aligne là. Je m'aligne bien avant de commencer avec eux.
Et go. J'ai pas de bouger là. J'ai rêvé de toi. Rien de bizarre. Elle était juste en voiture, on avait un accident. On est tombé dans un ravin, mais t'inquiète. Miraculeusement, la voiture s'est remise sur ses roues, voilà. Mais écoute. Je suis ravi de faire partie de tes rêves. T'as mon chaton? Lui, les gens ils te voient pas là, t'es trop loin. Elle est juste là. Au bout de mon doigt là. Hop, elle est au bout de mon doigt. Tu veux faire un bisou à mon doigt? Viens mon chat. Attendez, je vais essayer de vous faire approcher le museau. Non, elle veut pas. Ça mon matou? Ouais. T'as été dehors, il y avait des trucs dehors, t'as pas aimé? Elle a entendu du bruit. Je crois que mon idée est pas bonne. Hein. Je crois que mon idée est pas bonne parce que j'arrive là. Mais je vois pas mon guetteur ailleurs là. Attendez, hop. Musique, il y a petite musique là. Bon, ici c'est le Célacanthe. Donc c'est non. Là. Si je le balance là, qu'est-ce que ça va faire? Signal en triple. Ils disent quoi? Un, deux, un, trois. C'est la cante aussi là. Tombe dedans. Putain, il s'est mis à côté. Ah, il s'accroche au bord, c'est chiant. Attendez, 1 km, 1 km, 1, 2, 1, 3.
priori, c'est le plus près, lui. S'il y a que 2 points, faut pas que j'y aille. Non, c'est celui avec 2 points. Merde, mais faut que j'aille où en fait? Attendez. Je colle le truc là. Voilà. Là c'est collé. Putain. Il y en a un là-bas là. Ah, c'est la cante. Si je vais là. Si je vais là, je le vois pas. Là, mon guetteur, je l'ai qu'à un endroit. Là, les 3 points, c'est laisser la corne du début là. Là, il y a encore un c'est la corne ici. Ici c'est la cante. J'ai aucune foutre idée de ce que je dois faire. Je me suis encore fait avoir. Si je m'éloigne. Si je vais chercher ailleurs. Est-ce qu'il y a des trucs ailleurs? Shit. On va laisser la cante, il est là. On va se calmer. Putain, il m'a entendu. Évidemment qu'il m'a entendu, il est juste là. Attendez. Bouge pas, bouge pas. Ah, il peut pas m'avaler? Ah, le connard! Il peut pas m'avaler? Je vais faire un truc, je vais me barrer. Non ? Je me casse ?
Ah, tu fais moi ton malin, hein. Allez, moi je me barre. Aïe. Bon, je me fais mal aussi, mais... Non, j'ai rien. J'ai pas compris. Et là, on sort de la planète, quoi. Si on fait ça, on ressort juste de la planète. C'est quoi le truc là? C'est gravité, d'accord. Aïe. Je sais pas. Avoir pâle, vous êtes là? Avoir pâle, mon ami? Êtes-vous là? Non, je vais aller ailleurs là parce que on se fait chier quoi. Clairement, on se fait chier. Je viens de paumer 2 heures. Hein. Deux heures à tourner en rond et à pas savoir quoi faire, quoi. Ils avaient l'intention de laisser des lumières derrière eux dans l'éventualité de quelqu'un en voiture. Mais non, mais c'est... C'est ouf. La cité obscure. Les Nomai débattirent de l'utilité de construire une station solaire pour alimenter le projet Sablière Noire. Les Nomai construisirent une structure appelée la station solaire, mais cette décision ne fit pas l'unanimité parmi eux. Plusieurs tours Nomai imposantes forment un anneau autour de l'équateur de la Sablière Noire. Plusieurs tours Nomai imposantes forment un anneau autour de l'équateur de la Sablière Noire. La salle centrale de la Sablière Noire a été scellée physiquement. Forge du trou noir. Forge du trou noir est suspendue sous la cité. Dans le secteur de l'eau de fonte, un interrupteur qui commande l'accès à la forge. Oui, je me rappelle, ouais. Le secteur de la forge du trou noir domine la cité suspendue. Allez, on va aller autour là. Allez, on va aller autour. J'ai vraiment pas... Je suis dégoûté de pas avoir réussi là sur les...
Cible manquée. Mais arrête avec sa cible manquée là. Qu'est-ce que tu me racontes? Et juste devant là. La planète elle est juste là. D'où tu l'as manqué? Bang. Alors. Alors nous avons donc une première tour. Ok. On a encore une tour ici, mais c'est pareil, elle n'est pas accessible. Because. Voilà, nous fait monter. On a un truc là qui a l'air d'être actif. Quoi ça? Ah, le niveau est en train de baisser. Mais c'est pas ça que je voulais faire. Merde, je voulais jouer l'ordinateur de bord, mais... Ah. Là, on a ça aussi. Je recharge. Merde, c'est où? Non, c'est de l'autre côté. Je recharge. Et là, il disait quoi? Les tours. Plusieurs tours nomailles imposantes forment un anneau autour de l'équateur de la sablière noire. L'équateur? C'est pas... C'était pas trop à l'équateur, hein. Que je fasse gaffe au sable parce que le sable il me ramène sur la rouge. Le sable descend plus là. Ouais.
Ok. A toujours rien qui s'affiche. Faut que je retourne dans le... à la fusée. Histoire de refaire le plein. Et puis en même temps on va la bouger parce que là j'ai l'impression que... on est assez proche du bazar là. Je suis fait éjecter direct quoi. Ah, regardez. Ça me donne rien, y a rien d'autre. Oh putain de merde. Attendez ici. Il y a un truc qui commence à apparaître là. Oh là là, c'est pas possible. Voilà, merci. Quoi le... D'accord. J'ai vraiment réussi à me mettre comme ça quoi. Voilà. Là on est mieux. Non. Je voulais juste regarder. Bah les tours, passera hein. Alors là, il y a toujours ça. Ok. On va aller voir de l'autre côté ce qui se passe. Ah 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 ah. Effectivement, il y a des tours. Mais, par exemple dans celle-là, on ne peut point rentrer. Ici. Qu'on ne peut point rentrer également. Alors, qu'avons-nous ici? Nous avons rien. Qu'avons-nous ici?
Ah, vas-y. Attendez, y'a pas un truc planqué là? A priori, non. Ah, là c'est quand on pourra, là c'est pour on pourra remonter comme ça. Aïe. Là, il y a des petits mecs qui a priori vont pas très très bien. Waouh 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 waouh. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Passer du temps depuis notre dernière conversation. Pareil, avancé sur le plan de la station solaire, Heidi et toi. Présentement, j'estime que notre plan peut aussi bien connaître une réussite explosive qu'à... Bah non, ça je l'avais déjà lu. Non, les plaisanteries, ouais c'est ça. À côté, on ne peut pas y aller. Il y a l'air d'avoir un téléporteur dans le coin, non? Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, l'atterrissage va être difficile. Merde quoi. Qu'est-ce qu'il faut trouver ici? Oh putain, j'ai plus de carburant. Attendez. Ah! Ah! Ok. Tac. Clarisse, voici notre première livraison. Yaro, un générateur de distorsion fraîchement sorti de la forge du trou noir. Où t'es en train de l'installer, son camarade se gravitait au ce moment où j'écris ceci. Et remerciement Clary. Grâce à cela, le projet Sablière Noire est en bonne voie. J'avoue manifester une extrême curiosité sur la nature de ce que vous avez trouvé sur la station du Trou Blanc avec Pauk. Ça motive un tel projet. Pourrais-je rendre visite à l'occasion pour en apprendre plus? Tu n'es plus qu'invité à le faire. La station du Trou Blanc sert de modèle au tour que nous construisons pour le projet Sablière Noire. Une visite à la station te serait donc extrêmement utile.
Je suppose que j'aimerais plus spécifiquement visiter la station du Troublant avec toi, Clary. Yaro cesse de draguer ma sœur par correspondance murale. Niveau romantisme, elle a la densité d'une étoile à neutrons. Et va lui rendre visite sur la station du Troublant. Je serais ravi de t'expliquer nos découvertes. J'aurais souhaité attendre ton arrivée, mais la forge m'appelle, ainsi que mon travail d'achever là-bas. Je reviendrai bientôt avec de nouveaux matériaux. C'est quoi ça? C'est juste rien ça en fait. D'accord. C'est ouvert ou pas là? Est-ce que je vais me faire absorber ou pas? Je vais me mettre dans un coin. On va espérer que ça va bien se passer. Ah, c'est bon. Elle est où la fusée? La fusée est là. Le problème est que j'y ai plus accès. Comme un con, je l'ai mis là-haut. Merde, est-ce que je vais avoir assez de poussée là? Peut-être. Yes. C'était pas gagné, hein. Du coup, me revoilou ici, mais... Qu'est-ce que ça m'a donné? Pas grand-chose. Aïe. Ok, ça m'a ramené là-haut. C'est quand que ça s'arrête? Oh non! Déjà? Il y a déjà le soleil qui fait des siennes, quoi. Là, il y a la station.
Là, ça me ramène en haut. Merde, merde, merde. J'ai clairement pas tout vu là, quoi. À quoi elles servent les tours? Oh merde. Et merde, c'est bientôt la fin. Shit. Pourquoi je le trouve que maintenant ça? Ouf. Oh là ma tête. Non 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 non. Non 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 non. Redescends, please. Oh, chier, j'étais presque. Vas-y, go, 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 go. Rentre là-dedans. Vas-y. Tu peux le faire, je crois en toi. Alors. À nos amis de la cité du Sous-Mandu qui viennent nous rendre visite, nous préparons ce projet de sablière noire au laboratoire des hautes énergies situé à l'équateur de la sablière rouge. Je me suis rendu perdu à la sablière rouge, mais le laboratoire à haute énergie, c'est le bâtiment avec les grands panneaux solaires. Je suis surpris de ne pas l'avoir remarqué. J'imagine que notre cher Conneil, par ailleurs d'une intelligence remarquable, était déjà perdu sa propre tête s'il était... Merde. Ça, j'avais déjà lu. Je me rappelle de ça. Je l'avais déjà lu. Merde. Bon, bah, on va regarder le soleil. Il est où? Ah bah, il est plus là. Allez, je m'envole. Coucou, je m'envole. Merde. Bon, j'ai encore pas trop avancé là. Je commence à stagner. On va voir dans l'ordinateur de bord qu'est-ce qu'il nous dit. Est-ce qu'on a trouvé des trucs intéressants ou pas? La station du trou blanc servirait de modèle pour ces tours construites dans le cadre du projet Sablière Noire. C'est juste ça. On prend le chemin de la cité obscure. Ah, les nomailles façonnaient des générateurs de distorsion à la forge du trou noir avant de les envoyer. Ah! Ah! Bon, peut-être que je retrouve ça du coup. Donc la cité, ouais. Et dedans, il y a la forge du trou noir. Et ça me donnera une... des infos sur quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ben, on va laisser d'aller à Gravité. Allez, c'est reparti pour Gravité. Ça fait un petit moment qu'on n'y a pas été, en plus. Petit Gravité, là, ça fait un petit moment. Tu es où?
Where are you, gravité? Gravité, you are here. Je sais plus comment on y va. Je sais plus. Je ne sais plus comment on y va. Je sais plus. Je sais par là. Ouais. Ouais. Allez, vas-y. C'est largement suffisant. Alors. Ah, aïe, mes jambes. Observatoire. Non, c'est pas par là. Si. Je sais plus. Croiser des chemins. Je sais plus. Ça y est, ça commence. La navette est sur la lune quantique. Attendez, le pont il est là-bas. Arnaque. Hein. 100% arnaque. Hein. Est-ce que je peux lui reparler à lui? Est-ce que je peux lui parler d'autres trucs? Pas beaucoup de temps, je peux te poser une question, bien sûr, tout ce que tu veux. J'ai appris quelque chose, super. Bah attendez, il y a plein de trucs là. J'ai trouvé la capsule de sauvetage Nomai sur Gravité. Ça alors, ce qu'on comprend bien, les Nomai ne viennent pas de notre système solaire et devraient être en difficulté parce qu'ils ont lancé les capsules de sauvetage. Mais quel problème ont-ils rencontré? Et d'où ont-ils lancé la capsule de sauvetage? Tant de questions. Une découverte incroyable. Comment et pourquoi les Nomai sont-ils devenus jusqu'ici? Nous apprendrons un jour. Je devrais... Hop. Ancienne colonie, c'est incroyable, hein. Du mal, c'est le cas. N'empêche, si on se rend compte de la chance qu'on a de vivre sur Atrebois au moins là-bas. La météorite, ok. Cité suspendue. T'as visité la cité suspendue? Bah dis-moi tout, c'était comment? Incroyable, magnifique, effrayant. Suspendue à l'endroit de gravité où les Nomai se sont installés définitivement, sur leur colonie a pu développer sur cette planète. J'ai parlé moins d'Alice qui avait poussé à construire si près d'un tu sais quoi. Mais peut-être que pour eux ça avait du sens, peut-être qu'ils avaient besoin du trou noir. Parce qu'il le dit pas trop fort. J'ai vu la cité obscure sur la sablière rouge. Tu veux dire qu'il y a une autre cité Nomai à l'intérieur de la Sablière Rouge? Incroyable, la cité tout entière dont j'ai jamais soupçonné l'existence, c'est formidable. Comment il a réussi? Ouais, ça... Ok. Ok. Le pèlerinage quantique. Un pèlerinage vers la lune quantique, les Nomai en parlent beaucoup. Dans leurs écrits, elle était manifestement importante à leurs yeux, suffisamment pour justifier un voyage en solitaire. En tout cas, ça m'évoque un rituel de passage à l'âge adulte, comme les petites pierres qui deviennent des... qui restent des petites pierres jusqu'à ce que leur estomac soit assez résistant pour digérer le vin de sève. J'attends la comète et... incroyable. Vraiment triste. A plus tard.
Je sais même plus ce que je cherche à faire. J'ai déjà oublié. Mais c'est quoi ça? Hein? C'est chelou. Quoi? Atelier de cristaux gravitationnels? J'ai jamais fait ça. Qu'est-ce que quoi? Meuve là, d'accord, ok. Bon, c'était bien con de perdre du temps pour ça. Aïe! Oh, mes jambes. Alors, il faut que je me démerde avec le... Ah mais oui, mais regardez ça. Il y a forcément un truc à faire. Commande. De la forge du trou noir, comment je vais jusqu'à là-haut? Comment je vais jusqu'à là-haut? Voilà, ma vie va être dédiée à ça. À trouver... Comment on va là-haut? Ok. Je pense avoir compris. Attendez. Hop. Allez, vas-y. Il veut plus. Shit, 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 shit. Attendez, bon, je vais essayer de descendre là. Ah, va peut-être mieux être mieux ici. Ou pas. Merde. Ah. Mais il y a forcément un truc pour monter. Forcément un truc pour monter, c'est impossible. Pourquoi ça veut pas?
Pourquoi là, il veut pas s'accrocher là? Sur celle-là en particulier, pourquoi il veut pas s'accrocher? Parce que après, ouais, on arrive là-haut. Avec le chemin là, quoi. Ou alors faut arriver assez vite. Faut arriver assez vite avant que le truc s'écroule. Ah, c'est peut-être ça. Ah, c'est peut-être carrément ça en fait. J'arrive trop tard. Marche pas. Ah? Ouais non. Ok. Faudrait que j'arrive ici, mais genre super vite quoi. Allez, on va méditer un peu, puis on va essayer. On va essayer d'arriver ici méga vite. Avant que le truc s'écroule. On va bien voir. On va bien voir. Par contre, ouais, faudrait que j'arrive à savoir comment aller à cet endroit-là vite. En même temps, en passant par le... Là, ce que j'ai fait, ouais, c'était globalement assez rapide, j'ai l'impression. Merde, c'est la lanterne, ça. Ah bah, c'est bon. Et let's go. Non, j'avais été à croiser des chemins. Après, je m'étais jeté. Ce qui avait plutôt bien marché, hein. Hop, allez go. Impec. Allez, 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 allez. Faut aller vite, 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 faut aller vite. Faut aller ouf, faut aller vite. Bah non, c'est déjà tombé. Ça s'est déjà pété la tronche, quoi.
Bah a priori pas le temps de le faire. Comment on passe? Comment on passe quoi? Voilà, en partant d'ici. Aïe. Aïe. J'y arrive à un moment. Premier moment, j'y arrive. Aïe! Les genoux. Hop là, j'ai réussi. Retombe pas, hein, déconne pas. Hein. Donc là, on est Keblo. Non, pas possible d'aller là-bas. Là, ça m'amène jusqu'ici. On a l'hôtel. Mais merde, elle passe. C'est les textes que j'ai déjà vu. J'ai déjà plus de carburant. J'ai déjà claqué tout mon carburant, c'est parfait. Comment je grimpe quoi? Et comment je retourne là-bas surtout? Ah! Tiens, ça va, je suppose que je suis encore en montrée dure avec Poke. J'ai encore compris les choses pour sa sœur Clary. Avec Poke, je suis comme l'huile en présence d'eau. Clary fait office d'émulsifiant. Grâce à elle, nous formons une bien belle équipe. Nous formons une meilleure équipe que si quelqu'un avait fait le mélange en l'agitant. Et pourtant, on a envie de secouer Poke, il ne manque pas. Trêve de plaisanterie, j'imagine que c'est ma crainte de ne jamais trouver l'œil qui a causé ma dispute avec Poke. C'était plutôt immature de ma part. Je vais faire amende honorable auprès de Clary du moins. Elle en fera ensuite part à Poke. Je sais même pas comment je retourne là-bas quoi. Je sais pas ce que j'ai foutu. Voilà, c'est par là. Bon.
Donc le truc s'est écroulé. Et on en a besoin pour arriver là-haut. Comment je fais-je ? Là. Ah, c'est con parce qu'on a l'impression que ça passe là. Hein. Ça passe absolument pas. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ça ne passe pas ? Merde. Et puis là, il y a zéro chance que j'arrive jusqu'à là-haut. Ça, j'ai visité. Là, j'ai visité aussi. Ouais, ça, j'ai lu. Ça me dit rien, ça. Bordel. J'ai plus de carburant. Le problème, c'est que mon carburant de 14, il est vide. Holy shit! On est près du pôle Nord. Putain, y a un fucking raccourci quoi. La lune fantôme, ça j'ai déjà lu. Oh là là, donc attendez, quand je suis au pôle Nord. Je prends le petit cours d'eau là. Et ici. Et ici on peut rentrer. Ok. Et est-ce que ce serait pas ça le raccourci quoi? Pour avoir le temps. Pour avoir le temps de tout faire. Avant que ça se pète la tronche. Parce que du coup j'arrive là. Là. Je me casse les genoux. Et là je suis à côté des tours quoi. Eh. Ça me semble pas trop mal. Hein. Ça me semble pas trop mal. Et bah. Coucou patatarte. Bah, tu arrives au mauvais moment. Parce que je vais aller manger. Allez hop, on testera ça à la prochaine boucle. Donc pôle Nord, je me pose, après je prends la petite, le petit truc, je descends. Et on va voir si j'y arrive à temps. Ah.
Combien je vais sur Horizon? Ça va, tu avances bien? Est-ce que tu avances bien Horizon? Est-ce que tu prends toujours autant de plaisir à le faire? Et YouTube, on va faire des bisous. Hop!